Et là, on est en live. Ah oui, mais ça me met ce chat-là. Mais c'est nul. Ben oui, moi, je m'en fous du chat. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Pardon. Il a craqué. Customize. Envoyer. Ah, parce que trop de souris, trop de clavier. Envoyer. Now. TweetDeck. TweetDeck. Couper le son de ce PC. Bon, je sais pas où il sort du coup. Retrouver mon tweet qui est pas parti. Warning. C'est un warning de merde. Faut retrouver mon tweet. Mettre un petit truc genre Kikou. En plus, on fait ça depuis le shadow. Venez, ça va être rigolo. En plus, je stream depuis le Shadow PC. Shadow. Depuis le Shadow France. Venez voir, ça va être rigolo. Voilà, donc ça c'est un tweet, hein. C'est ce qu'on appelle plus communément tweeter. Twitter. Twitter. Est-ce que YouTube, il est connecté? Parce qu'il me dit connecting. Alors est-ce qu'il est connecting? On va vérifier ça tout de suite. Tout de suite. Alors attends, on va mettre ça là. Parce qu'après moi j'ai plus le chat. Hein. Absent, mais là, Gimp, on peut le fermer, on a fait la connerie. Fichier quitter. Hop, ça ici. Ça ici. Ça ici. Et ça, c'est quoi? Ah bon? Je savais pas ça. Ah oui, c'est marrant. Ouais, et bah sachez-le, on peut contrôler Streamlabs, là, le logiciel que j'utilise, qui est un fork, une nouvelle version, une version supplémentaire de OBS. Les mecs, ils ont pris OBS, ils l'ont changé. Et ben bah, on peut le contrôler depuis. Ils ont rajouté la fonction, on peut le contrôler depuis Android. Ils ont fait une application. Alors attendez, je cherche mon nom. Je veux juste voir si on stream bien. Alors en direct. Android, ils ont fait une application. Alors attendez, je cherche mon nom. Bah ça m'a l'air pas mal, Je veux juste juste je voir suis si mal on cadré je stream trouve. bien. Alors en direct. Android, ils ont fait Alors, une est-ce que c'est application. mieux? Non, c'est Alors pas attendez, mieux. je cherche mon nom. Bah ça m'a Et l'air pas là, mal, juste je suis mal on va cadré dire que je c'est pas trouve. mal. Alors en direct. Android, alors est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Voilà. Alors ça marche. Twitch. Testons Twitch. Testons Twitch. Twitch. Durée pas d'activité, machin. Et comment je fais pour regarder le stream? Y a pas moyen? On est Ça c'est le chat. Direct. Le son est-il correct dans Twitch? Chat direct, le son Bon, ça est-il m'a l'air correct? pas mal là. Et il manque plus que les viewers, hein. Et il faut venir, hein. Alors, attends, parce que j'aimerais juste faire un test quand même, parce que je l'ai pas fait. Et j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien regarder le live, c'est tant mieux, il est resté allumé. Hop, on se remet en direct. On vient ici. On monte un peu le son. J'aimerais tester s'il y a un décalage en fait Hop, son image. on se remet en direct. On sait jamais. On vient ici. On monte un peu le son. Parce que J'aimerais tester techniquement, s'il y a bon, un la décalage en webcam, le fait son truc. image. On sait jamais. Oh, franchement, ça Parce va. que techniquement, Franchement, ça bon, la va. webcam, le truc. Je sais pas pourquoi, la webcam ne marchait pas très bien. Parce que là, on est à travers le shadow, donc l'USB passe dans Non, le mais franchement, shadow. ça va. Et Franchement, ça va. calme-toi, toi. Et moi-même, là, Je ferme sais ta pas gueule. pourquoi. Hop. Ça suffit, non? On est à travers le shadow. Donc le shadow, il envoie le son de la carte de la table de mixage et de la webcam dans l'USB.
qui... Salut Damien, comment ça va? Je sais plus t'appeler Damien ou Cowboy. On va dire Cowboy, c'est ton nom de scène. Donc le Shadow envoie le son dans l'USB. Non, attendez, je me perds dans mon explication. La webcam, la table de mixage, tout ça, ça prend. Ça part par l'USB, ça rentre dans le Shadow l'envoie sur ma connexion Internet. Vers les data centers de Shadow, et du coup, bah, il y a un espèce de délai. C'est-à-dire que moi, là, quand je lève le bras, que je fais ça, je vois, il y a une demi-seconde de décalage sur l'image du stream, en fait. Et c'est pas gênant, apparemment, parce que le décalage est le même entre le son, enfin, pour la table de mixage et pour la webcam, donc tant mieux, hein. Alors, on va se faire un petit peu de PUBG. Pour le fun. Ah, je tiens à dire, comme tu peux le voir, Damien, que le compteur des vues, là, en haut à gauche, il ne marche jamais, ce truc-là. Vois, regarde, il n'y a pas toi, alors qu'on sait que t'es là. Ça ne marche jamais ce truc. C'est fou quand même. Tant mieux si c'est fluide, c'est le but. Peut-être faire des P2P aussi sur cette connexion. On l'a pas fait la dernière fois parce que la webcam qui partait carrément en vrille. On est peut-être tombé sur le mauvais jour, on est peut-être tombé sur un truc qui n'allait pas. Je ne sais pas. Alors, PUBG. PUBG, bière. Bien rubéché. Ah, est-ce qu'ils ont remis les pommes? Ils ont remis les pommes. En fait, à une époque, il y avait les armes sur le lobby, en fait, à l'endroit là où on attend. Et ça faisait trop ramer tout. Donc du coup, ils ont viré... ils ont tout viré, en fait. Ils ont viré toutes les armes. Je vais me mettre en graphisme pourri. Sauf les textures. Parce que j'ai vu que c'était une astuce pour que le jeu lag moins. Et effectivement, je pense que ça fera moins laguer le jeu. Et donc du coup, ils ont mis des pommes là pour le fun. Je ne suis pas gênant, je ne suis pas dans les viewers, je fais partie des meubles comme le tapis de Kenine. Peut-être pas à ce point-là, quoi. Tapis de Kenine, il est dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là. On va aller là, donc il faut sortir tout de suite. C'est la nouvelle map de PUBG, qui est toute petite, où c'est un peu le bordel. Je suis déjà mauvais de base à PUBG, donc du coup, c'est encore plus le bordel pour moi. Je regarde autour de moi. Je vois un gars, mais qui a l'air d'aller plus loin. Alors que moi, je vais vraiment là. Lui, il avait l'air d'aller un peu plus. Je sais pas où il va en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a personne avec moi, ce qui est pas mal. C'est jamais bon quand il y a quelqu'un au début. Ah, mais si, il y a un gars là. Oh putain, il y a deux gars. Putain, on va mourir au bout de 10 secondes parce que je suis trop nul. Putain, c'est chiant, j'aime pas mourir. Ah bah ça y est, ça me tire déjà dessus. Il est où le gars? À ma gauche. Il est là. Ah putain, mais il y en avait un deuxième. Eh ben voilà, eh ben ça y est, il est déjà mort. Mais ils sont deux? Mais attendez, on était en solo là, vous avez pas le droit d'être en équipe les gars. Hein. Signaler. Faire équipe. Signaler. Les gars, vous êtes deux à me looter alors qu'on est sur une map solo là. Ou alors c'était moi qui ai pas fait gaffe et on n'était pas du tout sur une map solo.
Et je les ai signalés pour rien comme un bâtard. J'ai regardé, ça se trouve, on n'était pas en solo. Si on était en solo, eh ben vous êtes des connards! Non, mais ils ont. Attends, ils se sont mis à monter à deux. On va faire une map normale. Parce que sur la nouvelle, c'est un peu. Pour l'instant, j'ai plus gagné sur la nouvelle que sur l'ancienne. Mais bon. Sur la map normale, au moins, les gens sont moins agressifs. Ils sont moins. Et puis, je connais mieux les lieux. Même si je suis nul, hein, dans tous les cas. Mais je connais mieux. Alors, c'est pas mal ce petit stream. Ce petit stream Shadow. Alors, où va le... Ah non, c'est cette map-là. On peut plus choisir les maps maintenant. Et cette map-là, je la connais pas du tout. Du coup, c'est pas pratique, déjà. Et peut-être qu'on peut tenter d'aller à un endroit super loin ici. Même si c'est chaud, hein. Il y a mon clone, un gars qui me ressemble totalement. C'est-à-dire qui a les skins de base et qui a jamais modifié. Qui me tabasse. Adieu. Monde cruel. J'ai l'impression que le jeu lag par contre quand on stream. Hein. Par rapport à... Alors là, faut que je descende dès que je peux. Dès que je peux. Ah mais ouais, j'ai des lags... As fuck, comme on dit dans le jargon des lags. Ouais, non mais c'est le jeu lag aussi chez moi et pourtant je l'ai mis en mode qualité de merde. Je sais pas si je vais réussir à aller là où je voulais aller parce qu'il y a une montagne entre les deux en fait. Et là on est mal parti pour aller plus loin. Ah, quoique. Je pensais que c'était la montagne, c'était le truc que j'avais en face de moi en fait, mais non. Alors juste faites voir autour de moi là si j'ai des gens. J'ai l'air d'avoir personne. Ce qui serait... Ah putain, encore un gars, merde! Attends, le gars il a pris une moto déjà? Il est déjà en train de se casser à la moto là? Il va déjà venir me péter la gueule? On est sur ce genre de bail? Je suis très mauvais, hein. Donc j'essaye de me concentrer un minimum. Alors si en plus j'ai le PC à côté qui fait des lags. Mais je crois qu'il est carrément parti faire les autres maisons d'un coup, direct. Et qu'il est plus derrière moi. Je pars un peu comme un connard sans vérifier, mais bon. De toute façon, là, c'est... Enfin, il risque de me shooter à un moment donné. Je pense que ça, c'était sa moto. J'ai pas vu ce qu'il y avait dans la pièce à côté.
Ah putain, je me trompe toujours de molette, c'est pour ça qu'il faut pas faire comme je fais. J'aimerais bien avoir une vraie arme. On risque de le croiser à un moment donné, il risque de me shooter, je risque de mourir. Voilà, on est sur ces bails-là. Faut le savoir dès le début. C'est quoi ça comme arme? C'est que arbalète. Mais non, j'avais un gilet niveau 2 là. Ah non. Ça m'étonne que je l'ai pas déjà vu, mais. Ça va sur rien du tout. Putain, la merde. Y a rien ici. J'ai pas de casque, j'aurais aimé avoir un casque avant de partir. Le problème c'est que là il va falloir finir par partir à un moment donné. Il y a rien du tout dans ces maisons. Il y a rien du tout. Oh putain, en plus le jeu lag, ça race. Je baisserai peut-être la qualité à un moment donné. Putain, il n'y a vraiment rien dans les maisons. On va tenter de partir sans mourir. Ce qui est compliqué. Essayer de passer par derrière, mais si ça se trouve, lui aussi passe par derrière. Ça se trouve, il n'y a personne aussi, et je suis comme un con tout seul en train d'avoir peur. Et ça se trouve, il est reparti déjà, il est parti avec la moto. La moto qui était par là. Et qui n'est plus du tout là. Donc il est probablement reparti. Enfin, je crois que c'était par là. Et je l'ai pas entendu repartir. Je trouve ça étrange. Ou alors elle était pas par là, la moto? Attendez, faites voir la carte. Non, elle était de l'autre côté, la moto. Putain, je suis trop con. Bon bah on va aller par là en espérant trouver un véhicule et des meilleures armes. Un début de jeu nul. Et me faire shooter comme un con en arrivant devant une maison. Si c'est pas looté, faut que je le fasse vite fait, ça. Et voilà, j'ai police niveau 2. Ça commence déjà par un truc mieux.
Par contre, là, ce lag de merde. Merci. Il n'y a rien d'autre. Bon, le gilet était déjà pas mal. Faut espérer qu'il n'y a personne dans cette maison. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait des armes de fou non plus. On sait pas, peut-être en haut. Ça se trouve en haut, il y a quelqu'un aussi. Putain, mais en fait, c'est les mêmes modèles de maison à la con là. Avec trois merdes. Ah, casque niveau 2, ça c'est pas mal. Et c'est tout. Non, là, il y a une lunette, faut que je la prenne. Surtout que je peux. Non, je peux pas la mettre nulle part. Putain, mais même le viseur holo, je peux le mettre nulle part. Bon, bah, j'ai rien pour viser. J'ai à peine un casque. Enfin, si, j'ai casque et gilet niveau 2, c'est pas mal. Mais bon, j'ai rien. Rien pour tirer. Et déjà que je suis très mauvais pour tirer. En plus, quand j'ai rien, ça ne m'aide pas. Où est la zone? Très très loin quand même. Passer là, mais ça se trouve je vais me prendre. Attends, ça se conduit ou pas cette voiture? Pas sûr. Hein. Je pense pas que ça se conduise. Je vais aller check vite fait si les maisons sont faites. J'ai pas l'impression, mais surtout si la voiture on peut la prendre, je la prends. J'ai l'impression qu'on peut la prendre. Yeah! Et il y a pas mal d'essence. Enfin, en tout cas, largement assez pour aller vers la zone. Maintenant, il faut juste trouver la route parce que. Parce que j'y connais rien à cette map. Que là, on va sûrement passer à des endroits où on va nous tirer dessus. Et comme je connais pas les endroits, je vais pas être très bon pour le savoir. Par exemple, tu vois, je savais pas que c'était complètement accidenté ici. Et là, je fonce complètement dans les murs parce que j'ai aucune idée de la teneur du terrain que nous avons autour de nous. Là, il y a totalement des mecs à droite, en buggy. Faudrait essayer de s'avancer un peu. La voiture part en couille. Là, je peux tellement me faire shooter par n'importe qui arrive. Ok, donc il y a le buggy de tout à l'heure qui est là. Qui part sans trop réfléchir. Du coup, j'ai pas le temps de boire ma bière avec ces conneries. Si je pouvais avoir une meilleure arme, ce serait cool. Voilà, 100%, il y a des mecs qui sont là-dedans et qui peuvent me voir. Mais en même temps, bon, bah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas rester coincé.
Enfin, sinon on va se faire chier quoi, donc autant que j'y aille. Autant que j'y aille, je vais sûrement soit crever, soit y a personne. Et je peux enfin trouver bah, une arme décente. Soyez quelqu'un et je vais crever direct. Salut le drap, ça va? Ouais, non, il y a quelqu'un. Enfin, il y a peut-être quelqu'un qui s'est barré entre-temps, hein. Si c'est pas barré, il est là. Non. Bon, en tout cas, il m'a pas laissé une arme. Avec de la chance. Ah bah ça me tire dessus là, non? Bah écoute, ça va, on essaye de faire du PUBG alors qu'on est nul. Tout va bien. Ah putain, une arme. Après, le truc, c'est que normalement, avec un AK, il faut. Bah, déjà, il faut des balles. Ça aide. Et normalement, il faut un compensateur parce que ça fait de la merde, l'AK. Quand on tire. Ça fait pampan sur les côtés. Ça me gratte l'oreille. Bah non, je vais pas aller bien loin avec 30 balles. Il faudrait que j'en trouve d'autres, mais. C'est quoi qu'il me faut comme balle d'ailleurs pour ça? Putain, le con il me marque pas. 7,62. C'est ça, donc ça c'est 45, c'est ce qui me semble. Ça a déjà été looté en même temps. Ça se trouve, le gars est encore là, donc. Ça se trouve, il est là-haut. Ça se trouve, on va mourir dans 2 secondes. J'ai pas l'impression. Ou alors, il est derrière cette porte. Non, bah, il est parti, mais il a pris toutes les balles. Alors, on va tenter de sortir, de pas mourir. Je suis encore dans la zone là où. Totalement. Il y a peut-être un gars avec nous. Peut-être il est déjà parti. C'est l'interrogation la plus totale. Merde, ça va pas sur les. Y a rien là-dedans. Chargeur rapide pistolet, on s'en fout. Il est peut-être dans une de ces pièces, hein. Comme je suis pas très très bon pour. Checker les environnements. Et que j'ai pas de bon réflexe et qu'il va sûrement me buter dès qu'on va le croiser. C'est un silencieux pour quoi ça? Pour pistolet?
Un, deux points. En tout cas, on n'a pas entendu tirer, on n'a pas entendu de gens, mais il peut être très discret et être déjà parti. Oh putain, M4. Ouais, non, je préfère la K à la limite, mais. Juste, on n'a pas de. On n'a pas de véhicule. Je vais essayer de passer par là-bas. Bon, après, par là-bas, c'est la route. Donc, Ah, là-bas, ce serait un véhicule conductible? Parce que c'est le problème de ce jeu, quoi. Les trois quarts des véhicules sont pétés. Ça tire, mais ça, il me semble que c'est genre. Des snipes de ouf, quoi. C'est genre le quart. Une connerie comme ça. Je suis loin. Je suis loin, je crois. Je crois que je suis très loin. Je crois que j'aurais dû bouger plus vite mon cul parce que là. Ah! Peut-être moi qu'on shoot là. Oh putain! Je l'ai eu, par contre ça veut dire qu'il y a un gars là-bas avec qui était en train de le shooter. Et qui me shoot moi maintenant. Ouais mais non, ah bah oui, là, il m'a, et je ne sais pas où il était, mais il m'a eu. C'est con parce qu'on allait se refaire avec le loot de l'autre gars. Comment ça, vous avez pas le son du jeu? Jusque-là, ça fonctionnait? Attends, je vais mettre le son, la musique du menu là. J'ai même pas regardé le score final. Paramètres, son. Imagine, je remets le son du menu, la musique. Vous l'entendez la musique là ou pas? Parce que moi il me dit qu'il la diffuse en fait. Peut-être que je monte un peu plus. Là vous entendez pas la musique du jeu. Mais moi il y a marqué que ça la met. Merde, comment je fais du coup? Et comment je fais? Parce que je vois le petit truc bouger. Je vous mens pas, hein. Comment on fait quand le son du jeu il dit qu'il fonctionne et en fait il fonctionne pas? Écoute, ben merci, mais c'est chiant quand même s'il n'y a pas le son. Propriété. Si je mets ça. Vous l'entendez là? C'est étrange quand même. Parce que lui, il me persuade. Il me dit oui, c'est bon, ça diffuse. Hein. J'ai des stops audio, j'ai des barres qui bougent. Vous avez toujours pas de son. Ok. Comment je vais faire? Est-ce que je peux faire quelque chose déjà là maintenant? Desktop audio. Est-ce que si je. Mais non, mais je vois pas ce que je peux mettre en fait. Genre ça? Non, mais là il y a peu de son normalement. Je comprends pas parce que là vous avez le son. C'est en fait c'est la seule sortie son. Donc du coup en théorie vous n'êtes pas censé pas avoir le son. Comment est-ce possible? Mais si vous l'avez le son. Mais j'ai rien changé. Là vous avez le son là. Mais j'ai rien changé. Top. Génial.
Je n'ai rien changé. Bah si, j'ai mis autre chose. J'ai mis genre HDMI mon écran. Et ensuite j'ai remis la carte son. Et apparemment ça vous a mis le son. Tant mieux. Donc du coup je vais virer la musique. On se refait une petite partie. Parce que j'aime pas la musique, elle me saoule. Match Macang. Donc, bière, PUBG. J'essaye d'être un peu plus couillu et d'aller buter les gens. Mais ce n'est pas facile. Souvent, je me fais tuer. Si on a l'autre map, ce sera mieux parce que je la connais quand même vachement mieux. Parce que j'ai beaucoup joué. J'ai joué quelques parties avec Syllab dessus. Vous avez toujours le son là, vous entendez les gens marcher. Je vais essayer d'aller faire ces trois merdes, mais non. Ça va être un peu nul peut-être. Je connais pas bien cet itinéraire. Je sais pas trop. Après, le problème c'est que là on risque de manger tous les gens qui sont là. Une fois j'avais fait ça, c'était pas mal. Mais là on est quand même proche de la ville. Ah, mais moi je vise jamais les grosses villes ou les trucs. Avec Gatka, c'est vrai que c'est loin, donc peut-être pas Gatka, mais plus genre ça, et après aller vers Gatka. Je vise jamais les grosses villes parce que moi je sais que au milieu de tout le monde avec le stress, je m'en sors pas. Moi il me faut le petit temps tranquille, tout seul pour looter tranquillou, arriver à un endroit où il y a personne, et après rentrer de façon un peu plus safe dans d'autres endroits. Qu'il y a des gens qui visent. Bah, peut-être qu'il y aura des gens qui viseront Ruins, mais c'est pas ouf Ruins. Surtout à cette époque-là de l'année. Non, mais là c'est vachement loin. J'ai l'impression qu'il y a un délai niveau son. Un délai. Quel genre? Entre l'image du jeu et le son du jeu? Parce que ça c'est peu probable. Parce que tout est en local. Entre ma voix et l'image, c'est possible parce que c'est des périphériques USB à travers le réseau, à travers. Et tu confirmes quoi? Parce que du coup, j'ai pas. Avec le décalage, je sais pas de ce que tu confirmes. Où sont les autres? Il n'y a pas d'autres. Bon, on peut faire les deux petites maisons tranquilles. Juste à côté de Ruins. Ah, mais c'est le jeu. Toi, tu penses qu'il y a un délai entre le. Alors, moi, j'ai rien en local. Ce qui est logique. Quelque part. Mais je vois pas pourquoi tu aurais. Salut, tu es record. Merci pour le follow. Pourquoi tu aurais un. Un délai, en fait, je ne vois pas trop la raison. Mais un gros délai? Parce que c'est bizarre quand même, vu que c'est le. Ah, ça c'est bien ça. Parce que je comprends pas d'où il peut venir le délai. Ok, donc y'a rien.
Une à deux secondes? Putain, mais c'est pas possible. C'est enregistrer le son en local du PC et enregistrer l'image en local du PC. Je vois pas pourquoi les deux seraient pas liés. AKM ou SKS? SKS. J'aurais plus facilement des balles, je pense. Ça, j'ai pas non plus de masse de balles. La phototexture. Mais par exemple, enfin, genre j'ouvre la porte, vous entendez le son de la porte 2 secondes après que sur l'image il ait pris la porte. Ça me paraît vraiment très chelou. Je vais courir vers Gadga. Bah quoi que c'est con de courir vers Gadga, sachant que la zone n'est pas du tout à Gadga. Comment c'est possible ça? L'inverse. C'est-à-dire que vous entendez la porte avant d'avoir le son de la... Vous entendez le son de la porte. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Vous avez le son 2 secondes après. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés aux ruines? J'ai pas du tout regardé en fait. J'aurais dû. Il faut qu'on regarde parce que je comprends pas comment ça peut être possible techniquement. Après, enfin, je stream depuis le Shadow, donc ça se trouve il se passe des trucs chelous en termes de capture de son et mes couilles sur ton front, comme on dit. Si je peux avoir une lunette ici, ce serait cool. Y a rien pour monter. Oh, on verra après la partie. Juste, j'ai pas compris là. Je vois pas le. C'est quoi comme lunette ça? Lunette 8 fois, ça c'est stylé. Par contre, dépêche-toi. Ah non, j'ai vraiment pas de place quoi. Alors, par contre, je pense que la lunette 8 fois sera mieux sur le. Quoique, attendez, je dis de la merde. Le SKS, c'est un truc avec un. C'est la photo Shadow. Bah si, quand même. C'est la photo Shadow, là. Peut-être contourner les ruines, finalement. J'entends qu'il y a du bruit par là. En fait, je vois pas trop pourquoi. Je me dis que. Enfin, la probabilité, la possibilité. C'est. Que le Shadow a un driver de son pour que le son rentre dans mon casque, quoi. Passe dans le boîtier. À distance et rentre dans mon casque. Et peut-être que quand je capture le son du boîtier, enfin du PC en local, quand je capture le son, ça peut faire un truc chelou du style en fait il se connecte à moitié Et en fait, il est pas connecté quoi. Enfin, du style, il y a un délai en fait parce que il capture pas le son en direct. J'ai vraiment entendu des mecs tirer exactement là où on est. Et on a croisé personne. Et je ne vois personne autour de nous. Et on est totalement visible sur la colline. Il y a totalement des mecs qui peuvent arriver de n'importe où. Peut-être même des mecs là-bas. Enfin, on a une lunette x8 quand même, on est tombé dessus complètement au pif.
Ce serait dommage de mourir, et c'est ce qui va se passer, hein, parce que je me connais, mais sans avoir eu l'occasion de l'utiliser. Si je pouvais au moins avoir l'occasion de l'utiliser, me rater et qu'on me tue, ça serait toujours plus agréable que juste me prendre un headshot là maintenant sans l'avoir utilisé. Et oui, le top 50 sans frag, c'est pas étonnant non plus. Eh merde, la zone de mes couilles. Les top 50 sans frag, c'est pas étonnant parce que c'est très souvent. C'est très souvent un top 50 sans frag parce que ça prend rien de faire un top 50, faut juste. Faut juste pas se poser au milieu de la tuerie et. Et rester un peu discret. Non, je vais pas faire boum, je vais me cacher. J'aimerais bien réussir à me cacher. Pas non plus devant la maison. Parce que s'ils y sont, je suis un peu dans la merde. Essayer de me cacher derrière l'arbre là-bas. Je suis en plein dans la zone, ouais. Ouais. En plein dans la zone rouge, c'est ça que tu voulais dire, mais la zone rouge, en fait, elle fait plus peur que de mal. C'est rare quand même que tu te prennes un caillou si tu cours en plein milieu, quoi. Enfin, que tu te prennes un missile. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est pas jamais, c'est souvent, mais. Mais c'est pas non plus à chaque fois. Je pense pas que le danger vienne de ces maisons. On se serait déjà pris un tir. Je ne sais pas d'où vient le danger. Je réfléchis, l'avion il allait par là. À mon avis, le danger vient pas de là. À mon avis, le danger vient plus de là. C'est-à-dire de là. Non, les maisons, elles avaient les portes ouvertes, donc a priori, elles sont déjà lootées. Et là, de toute façon, j'ai... T'as raison, pas de gilet et un casque niveau 1, donc c'est de la merde. Mais niveau arme, j'ai de quoi... J'ai de quoi faire, donc je préfère limite faire un peu profil bas. Et tomber sur un gars et essayer de le tirer de loin. Et ensuite aller looter son corps. Ouf. Que essayer de faire le fou et d'aller voir des maisons qui sont déjà lootées et mourir comme un con. Après, je joue comme un pleutre. C'est aussi une façon de jouer pour les gens qui savent pas viser. Donc du coup, je préfère rester loin et viser avec des lunettes. Pont.
Alors, la zone, elle est où? Mais on est encore dedans. Bah oui, c'est la technique à la con de PUBG, mais PUBG, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est facile de monter dans le top quand tu restes dans un coin et que t'attends que les gens se butent entre eux, quoi. Attends, c'est moi ou il y a un gars sur le toit? Non, c'est moi. J'ai cru que la cheminée, c'était un gars. C'est chiant d'être près de l'eau en fait. Ok, il y a un gars qui est passé en véhicule là-bas. J'en profite, hein, j'ai une fois 8. Je vais pas non plus me faire chier. Et aller en plein milieu des fights alors que j'ai une arme qui tire de loin. Bon, par contre, à un moment donné, la zone elle va se réduire, il va falloir que je traverse ce fleuve. Sauf si... Non, mais ça m'étonnerait que ça vienne par là, mais... Ah, je suis en plein dans la zone rouge, top. Ma passion, les zones rouges aujourd'hui. Je pense que c'est voulu. Regarde, il y a peut-être des mecs dans l'église. Oh putain, ça a pas été looté ici. Je sais même plus, j'ai besoin des deux. 5,56. Et 7,62. Ah mais j'ai même pas de sac à dos. Je suis vraiment mal en fait. Ah mais je suis toujours dans la zone rouge. J'avais pas capté. Je sais pas trop si j'y suis ou pas là. Ah j'y suis un peu hein. Je pourrais me prendre un tir comme une merde. Il n'y a quand même personne ici, à cette heure-ci, dans le jeu. Bon, elle arrive quand cette prochaine zone là, que je sache où ça bouge? Et voilà, top 26 en se baladant. Des bombardements, ça? Oui. C'est souvent ça, hein. Il y a un gars là-bas.
Allez, on se le fait. Pas très bon, moi. Et là, j'ai totalement donné ma position. Donc, je vais peut-être me faire shooter par un gars dans un coin. Le bordel, cet endroit, je l'ai déjà fait. Ah, la zone a bougé. Et elle est ici. Donc il va falloir que je bouge. Et éventuellement que je passe par le fleuve. Ce qui va être méga relou. En plus, il y a probablement le gars que j'ai shooté dans le coin. On va y aller frontal. Quitte à crever. Je m'en fous, j'ai utilisé ma lunette. Moi, je voulais utiliser ma lunette avant de mourir. Le jeu lag, donc il y a forcément quelqu'un à côté de moi. Michel versus le fleuve. Voilà, je vais tomber nez à nez avec le gars de tout à l'heure, de toute façon. Que je l'ai pas déjà croisé, c'est pas lui ça? Non, c'est un. C'est un cactus. Oui, probablement, oui. Je pense que je fais partie de ceux qui ont le moins de loot. Je pense que celui qui me tue et qui vient me looter, il est un peu deg. C'est bien d'être totalement à découvert comme ça là pour passer. C'est génial. On va courir là parce que sinon la zone elle va faire mal. Je vais me prendre une balle. Évident. Et en plus j'ai pas de gilet, j'ai un casque de merde. Hein. Donc je me prends une balle, je meurs. C'est-à-dire que j'aurais espéré tomber sur un gilet entre temps. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors le problème c'est qu'il va falloir traverser cette ville. Et je le sens très mal. Si je pouvais trouver un véhicule, ça m'arrangerait. Ne serait-ce pas un véhicule qui m'arrangerait. Oh putain, il y a un gars. Je vais crever dans la zone. Hein. J'ai plus de balles. Est-ce qu'il marche le véhicule? Il marche le véhicule. Le gars, je sais pas où est-ce qu'il est. Il doit être par là-bas. Non, 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 non. Je fais de la merde. À pas regarder la route. Je fais de la merde. Ok, donc c'est il y a probablement quelqu'un avec moi. Ah non. Probablement qu'il est rentré par là. Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai rien du tout pour me soigner.
Là, ça a déjà été looté, donc je pense qu'il n'y aura rien pour soigner. C'est la merde! Je suis mal en point, mais j'ai fait top 16. La magie de PUBG. Faudrait que je trouve dans les 30 secondes, mais même pas les 30 secondes. J'aurais pas le temps. Et il y avait un gars derrière moi. Arnaque totale. Arnaque totale. On va pas en faire 15. On en fait peut-être une autre. Ah oui, attendez, on va essayer de régler le problème de son. Parce que c'est pas normal ce problème de son. Je vais mettre le live également. Vous êtes sur Twitch. Je vais regarder sur Twitch. Du coup, on va s'entendre en double là, mais c'est pas grave. Sur Twitch. Je vais regarder sur Twitch. Alors, vous me dites que vous avez le son. Du coup, on va s'entendre en double là, mais c'est pas grave. Sur Twitch. Je vais regarder sur Twitch. Alors, vous me dites que vous avez le son. Genre là, la musique va démarrer maintenant, quand je clique sur appliquer en fait. Genre là, la musique va démarrer maintenant, quand je clique sur appliquer en fait. Ah mais elle démarre pas. Elle a pas démarré chez vous. Ouais, y a un gros souci de capture, je suis d'accord. Ah ouais, mais il y a même plus de 2 secondes là de décalage. Il y a. Je suis d'accord. Ah, par contre, je suis d'accord avec moi-même, mais chut. Comment je peux faire là pour tester ça. C'est quoi, c'est la capture du son du bureau. Bonjour là. Comment? Comment? Comme ça? Bah. Non, là vous entendez pas le son. Attendez, je vais mettre un son à la con. On va voir si ça fonctionne. Ah, mais là j'ai l'ancien OBS, donc c'est pas du tout le bon truc. Hop. Ah, mais c'était peut-être ça le problème. C'est peut-être parce que j'avais les deux OBS de lancer sans faire exprès. Vous allez me dire si c'est mieux. Enfin, vous allez me dire si c'est mieux. Je vais voir aussi si c'est mieux. Mais... Alors attendez, je clique pour avoir le son. Si c'est mieux. Je clique là. Enfin, vous allez me dire si c'est mieux. Là, ça l'a fait. Je vais voir aussi si c'est mieux. Mais... Alors attendez, je clique pour avoir le son. Je clique là. Là, ça l'a fait. Non, ça le fait pas. Je l'entends également. Mais ça le fait pas du tout. Mais ça le fait hyper longtemps après. Mais c'est ouf ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le son mette autant de temps à être capturé? Alors que pourtant, moi, c'est immédiat sur le retour là de. Du truc. Sur le retour de l'image du. De OBS. Vous voulez dire que si je fais un truc comme ça, genre YouTube Toto. On va pas mettre Toto la musique, sinon ça va être le bordel. Les blagues de Toto. On prend ça. Là vous l'entendez le truc? Je sais pas si vous l'entendez. Moi, ça me pète les oreilles. On dit que c'est une blague de Toto. Mais ouais, vous l'entendez super tard après.
Et là, c'est du coup que je vais vous niquer les oreilles maintenant. Papa, Toto, mange. Papa, Toto, on ne parle pas à la bouche pleine. Hop. Chérie, délicieuse. Moi, je parle à ta mère. Voilà. Maintenant, tu peux parler. Trop tard. De la sortie audio. Ajouter à la source. Par défaut. Donc là, audio, capture, out. Si je coupe ça, desktop audio, et je mets audio, capture, out. Là, j'ai mis un autre truc de capture audio. Théoriquement, j'ai baissé le son de Toto. Théoriquement, si je clique là, au moment où j'ai cliqué, on a entendu quelque chose. Moi, je vois les petits. Là, on entend quelque chose derrière moi. J'ai coupé. Ah mais là ça marche. Là j'entends que ça marche. Et du coup là si on recommence, que je vais sur une autre un truc qui n'a rien à voir avec Toto parce que c'est chiant, on va mettre les belles histoires de pommes d'api. Ça démarre maintenant pendant que je suis en train de parler. C'est censé marcher. Et là je mets sur pause. Et là je parle, tout va bien. Et là je reclique et ça remet en lecture. Et il n'y a pas de soucis. Donc tout marche très bien. J'ai fermé. Mais pourquoi il y avait ce problème? Et du coup, je vais fermer aussi Twitch parce que là, sinon, ça fait en double 15 fois. Mais je ne comprends pas pourquoi il y avait ce problème. Et du coup, en fait, j'ai désactivé la capture du son du bureau et j'ai rajouté un audio output capture qui capture exactement le même périphérique. Du coup, voilà, c'est ma conclusion. Et là, j'ai cliqué sur close sur OBS et il m'a dit « Êtes-vous sûr de vouloir quitter en pleine diffusion ?» Et je fais « Bah non, en fait, je suis con. » Bon, eh ben, ça doit être deux modes de capture différents. Un qui est intégré au logiciel et un qui est via, pas un plugin, mais... c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps en train de capturer, il doit le capturer que quand tu lui demandes et du coup, ça doit faire un truc bizarre. Alors, on fait une dernière partie. Après, demain, il y a école. Donc, on n'ira pas plus loin. Je vais peut-être enlever le pan quand on est tout seul. Là, c'est un petit peu mieux de parler au centre plutôt que de parler complètement à droite. Parce que là, à gauche, non, à droite. Et là, à gauche. Donc, du coup, c'est le bordel. Ça n'a intérêt qu'on est que quand on est en P2P avec Phil, mais quand on n'est pas en P2P avec Phil, c'est peut-être pas la peine que je sois trop à gauche ou trop à droite. C'est ces petits moments-là qui font que quand on enregistre le P2P, il y a Phil qui fait « Mais pourquoi le pan, il est n'importe comment, là? Pourquoi c'est n'importe quoi et pourquoi toi, t'es au centre ?» Parce que cette personne ne comprend pas qu'il se passe des choses quand il n'est pas ici pour enregistrer un P2P. Des fois, j'utilise la table de mixage également. Voilà, c'était la petite histoire de ma vie. Donc là, on est d'accord que vous entendez correctement. Vous entendez correctement les bruits quand je mets le truc, quand je me couche, quand je me lève. L'avion, maintenant. Non, pas maintenant. Maintenant. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Oh non, on est sur cette map nulle. Ben, on va aller là. En espérant que personne n'y aille, et ça m'étonnerait. Non, on va aller là, du coup. Oh, il y aura plein de monde qui va aller là. C'est quoi, mon imitation de Phil? Ah oui, imitation de Phil. Quand je faisais « Ah, Phil, il est relou. » Ouais, je m'en souviens. C'était génial. Alors, bon, il y a un gars avec moi, là, mais il se barre ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, ce qui m'étonne. Qu'il n'y ait pas grand monde, ok, mais qu'il n'y ait personne. Pourquoi il n'y a personne? Personne au-dessus. Ah mais il n'y a vraiment personne, j'ai l'impression. Ça n'est pas normal, hein.
On va remettre le casque en entier. Pour éviter de pas entendre les gens. Les belles textures qui chargeaient pas, vous avez vu ça? Vous me confirmez que les bruits de porte sont... Ah non, vous avez un délai à nouveau? Genre là, quand j'ouvre les portes, c'est pas le bon temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous allez me voir mourir. Et ensuite, entendre l'arme qui m'a tué. Et là, vous pouvez admirer que je suis débile parce que je vois pas qu'il y a une barre qui m'empêche de passer. Non, mais là, j'avoue que j'ai pas trop d'idées de pourquoi ça me fait ça. Mais après... Pourquoi j'arrive pas à faire ça? J'essaie de looter comme les pros et j'y arrive pas. Putain, j'ai des vieux lags. Des micro-coupures, là. Putain, ça, c'est une Scar, là. Si ça, c'est pas beau. C'est pas beau? Il me semblait que c'était beau, pardon. Donc, du 45, on s'en fout. Par contre, le repousse-pousse, pourquoi pas. Non, je pense qu'elle est mieux, la poignée. J'ai aucune idée de la différence et je sais pas ce que font ces trucs, mais j'y crois. Repousse-pousse, je m'en fous. C'est l'avion qu'on entend là. Putain, je suis pas du tout dans la zone. Faudra que je surveille. Putain. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me faut pour la SCAR? 5,56, hein, c'est bien ce qui me semblait. Faudrait que je surveille ça. Je vais continuer à looter en allant vers la zone. Il n'y a que du calibre 12 avec ces trucs là. Ça va sur un de mes trucs ça? Je ne sais pas. Je fais ça parce que j'ai la certitude, l'intime conviction, dans tous les cas, d'être seul. À moins que quelqu'un soit venu bien plus tard, en théorie, il n'y a personne avec moi. Il n'y avait pas une... Ok, j'ai cru voir une... Une poignée, mais pas du tout, apparemment. Et merde. Oui, si, c'est bon. Une poignée. Un zoom. Ça va pas sur mes trucs. Il va me falloir un sac à dos, là, parce que je galère un peu. Ah bah, il y en a un, là. L'homme qui ne voyait pas les trucs dont il a besoin. Ça me saoule. Hein. Faut que je désactive la veille de l'ordi à droite parce que... Il se fout en veille. En fait, quand il se fout en veille... Ça n'est toujours pas... trop en hasard. J'ai de police niveau 1, j'ai déjà... Silencieux. Ah bah lunettes 6 fois, ça on est bien là. Donc plus qu'un casque, et on est déjà pas mal. Vous auriez pas un casque ici par hasard? J'ai cru entendre quelque chose. Bah là on a un buggy pour partir. Ce qui veut dire que je vais faire ça très très vite. Tommy Gun, c'est pas mal là. À prendre en renfort.
Tu pourrais aller à la pêche. C'est ce qu'il me faut. Je vais prendre le cache-flamme, même si je suis pas sûr d'avoir besoin. Canon. Ah bah un casque niveau 1. Génial. Le buggy et on se casse. Alors les zones, elles... La zone, elle arrive. Putain. Mais j'ai un buggy. Donc c'est déjà ça. Et ça devrait aider. Elle est où par contre? Ça va. Je pense que ça va. Faut juste pas croiser 15 personnes au milieu. Les bruits des véhicules toujours aussi forts dans ce jeu. Ah. Je me suis mangé un mur. J'adore la montagne. La montagne, ça vous gagne. Évidemment avec le buggy je suis on va dire pas protégé du tout. Donc on va éviter de se... de traîner trop. Parce que là je peux me prendre une balle de tête direct. J'ai de l'essence, oui j'ai de l'essence. Alors le problème c'est que je me dis passer par là sera mieux au niveau de la route. Mais il y a peut-être des gardes là, dans cet endroit. Et en fait, c'est sûrement une mauvaise idée. Mais c'est passé. Putain, on y va comme un bourrin. Qu'il accélère un peu plus le buggy. Bon, y a probablement des gens dans cette maison. Oh putain, il y a quelqu'un. S'il y a des gens dans cette maison, ils savent où je suis. Hein. Enfin, ils savent que j'arrive. J'ai pris lequel ça? Ça, c'est le Tommy Gun. Ce qui est très bien. Ça a l'air totalement fermé. Hein. Il vient me chercher. Ou pas, hein.
On va y aller un peu avec un peu plus de courage. Qu'est-ce qu'il est? Ça marche pas du tout en automatique. Là, je viens de balancer ma position automatique. Mais puisqu'on me reproche sinon d'aller à la pêche. Où est la zone? Ok, donc la zone est de l'autre côté, là-bas. Je vais me faire shooter. Putain, mais quel jeu de merde qui te fait monter automatiquement à l'endroit le plus proche. Et pas à l'endroit le plus logique. Ce métier des motos avec cette carte, c'est souvent bugué. Et la moto elle-même est buguée. Il y a un vieux lag sur les motos où tu donnes les instructions et il les fait une demi-seconde après. Bon, les motos, c'est pas fait pour faire du hors-piste, hein. Faire chuter. Alors pourquoi je change d'arme? Parce qu'il y en a une qui a une mitrailleuse automatique. En mode Balek, genre qui tire comme un bourrin. Et les autres, et l'autre est un truc qui permet de plus tirer en mode snipe, enfin en mode coup à coup quoi. Donc du coup, si je croise quelqu'un au corps à corps, ce sera mieux avec le truc automatique. Tout à l'heure, j'ai essayé de mettre en mode rafale le Scar. C'était pas ouf. C'était pas ouf de loin. De près, c'est sûrement très bien. Après, le mode rafale, je sais pas trop à quoi il sert. Hein. Donc vous avez toujours un lag avec le son là. J'ai une solution hein, mais juste je peux pas la mettre en place là sur le live. On la mettra en place plus tard. C'est tout bête. C'est de faire sortir le son dans la table de mixage. Comme ça vous l'aurez forcément en même temps que moi. Vu que vous aurez ma voix en même temps. Ça se trouve on va tout bugger et vous aurez tous les sons décalés y compris ma voix. Mais je vois pas pourquoi. En même temps, je vois pas pourquoi vous auriez le son décalé là maintenant. Ah, il y a un drop là-bas. On va peut-être se taper des gens qui vont venir casser des couilles.
Où est la zone? On est en plein dedans. Je pense que les gens vont plus être dans les villes qu'au milieu de la pampa. Mais on risque d'en croiser quand même. Je m'approche pour parce que je ne sais pas où sera le centre de la zone. Je me dis qu'il y a plus de probabilité qu'il soit là plutôt que sur le bord. Ce qui est totalement faux, je pense. Ah, et là je peux me faire shooter de ces fenêtres. Et puis en plus je suis toujours sur le bord en fait. Faudrait que j'aille en face. Y'a rien dans les fenêtres. Enfin, je ne vois rien dans les fenêtres. Super, les lags quand tu essaies de regarder autour de toi. Ce jeu fait mal aux yeux au bout d'un moment à force de fixer le vide. Et je tire, comme un con. J'ai pas fait exprès, hein. Mon doigt a cliqué, il y avait une poussière. Sur la souris, et j'ai cliqué comme un trou de balle en essayant de l'enlever. Je vais bouger un peu. Il y a un gars là-bas. Non, c'est une ombre. Ah, faut que je bouge, la zone est là-bas. J'avais bien fait de bouger par là, du coup. Faut que je surveille les maisons, là. Je vais encore refaire top 20 là. Sans aucun frag. Ça c'est beau. Et pourtant là on peut pas dire que je me suis pas mis en danger. Hein. Bon j'ai pas été courir partout non plus mais. Mais je suis pas allé à la pêche. Alors le problème étant. A priori, ces maisons-là, il y aura peut-être des gens. Même si ça m'a l'air fermé. Hein. Là, je suis dans la zone. Être en bord de zone, c'est jamais très bon. Donc, je vais bouger. Le problème c'est que là je suis au bord de la route et j'aime pas être au bord de la route non plus. Ah, une voiture. J'aimerais bien réussir à aller de l'autre côté sans me faire shooter dans le cul. Va-t-il réussir? Il ne sait pas. J'ai vérifié cette maison, sinon ça va être le bordel. Eh, il y a de la tension, hein. Bon, ici c'est fermé. C'est peut-être ouvert de l'autre côté. Peut-être même qu'il est rentré par la fenêtre. De pas looter. On va vérifier, hein, mais
Pour qu'il y ait tout ça dans la cuisine là. D'ailleurs, je vais prendre quelques balles. Attendez, c'est 5,56 ou 7,62? Non, 5,56. Techniquement, on vérifie toute la maison avant de commencer à bouffer des trucs. Je peux pas mettre de lunettes sur ce truc là. Par contre, ça, je peux le mettre. Putain, je suis encore hors zone quoi, nique ta mère. Désolé pour les mamans. C'est dans le jeu ça. Allez, Balek. Ouais, parce que en fait, j'ai entendu pouette pouette et j'ai aucune idée de si c'était dans le jeu ou pas. Ou si c'était dehors. Par contre, là, il faut que je me mène le cul et que je prenne un antidouleur surtout. J'ai rien d'autre. Non, faut que je me mène le cul grave. Elle est loin. Ça va. J'ai juste de croiser un gars au pif parce que j'avance comme un connard. Parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas fait gaffe. Me faire shooter le cul, c'est tout ce qui va se passer. Je crois que j'entends un gars à gauche me faire shooter le cul. Je suis pas dedans. Faire shooter le cul. Il va m'arriver dessus. Attends, mais c'est quoi ce game où tout le monde est en moto, en voiture et avance comme des connards? Et voilà, c'était évident. J'arrive pas à me cacher. Et là, salut. Et B top 12, écoutez, c'est déjà pas mal. J'ai tenté de faire un frag. Tiens, le gars, il arrive à me looter. Faites voir où est-ce qu'il était, ce gars. Putain, je me tape un coup de chaud. Avec le casque au bout d'un moment. Ouais, voilà. Lui, il me voyait de loin. Et même en me mettant derrière, il m'aurait eu. Ouais. Je me doutais que c'était un angle à la con comme ça. Et il y avait un gars qui arrivait dans mon cul.
Vous le voyez ou pas? Il est à gauche. Attendez. Je vais vous montrer. Je vous montre juste vite fait le gars qui arrivait dans mon cul. Parce que c'était drôle. Je me serais fait allumer de toute façon. Où est-ce que c'est Ripley? Comme dans. Je vais tenter un truc, vous allez me dire si ça aide. Si jamais je fais ça. Propriété. Ne pas utiliser le rang d'attache du périphérique. Alors, au niveau du replay. Comment je fais? Parce que j'ai aucune idée de comment ça marche cette merde. Mais non, mais attends 2 secondes. Viens un peu avant. Un peu en arrière. Donc là. C'est moi qui lui tire dessus. Et. Comment on fait sur pause? Oh, c'est nul là! Normalement, il y a un bouton de pause. Il m'a chargé la moitié de l'interface. Alors attendez. Donc, moi, je suis où? Je suis là. Et il y a un gars qui arrive sur moi là. Vous voyez, lui? Il voit que ce gars-là me tire dessus et il est arrivé sur moi. Et finalement, c'est lui qui va me looter et qui s'est fait shooter derrière. C'est même pas celui qui m'a tué. Voilà. J'étais en pleine rétrospective de qui m'avait buté. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. On va se dire des bisous. Et la prochaine fois, je ferai le truc pour que le son y marche. Parce que ça, ça n'a pas du tout marché. Donc, en fait, on fera en sorte que le son... Bah, comme je faisais avant sur l'autre PC, finalement, que le son du live arrive dans le truc, dans la table, et voilà, et que comme ça, il n'y aura pas de souci. Je vous fais des bisous et vous dis merci d'avoir regardé, et à un prochain live. Probablement, peut-être, on ne sait pas, P2P, mercredi, mais c'est pas sûr. Bisous.